Voilà une situation que vous avez dû rencontrer en quatrième, qui est constituée de deux triangles, un triangle rouge, A, N, M, rose on va dire, et un triangle bleu, le triangle A, C, B. Ce qu'on observe en regardant la figure, c'est que, dit comme un élève pourrait le dire, les deux triangles A, M, N et A, B, C sont emboîtés les uns dans les autres, c'est-à-dire que les points A, M, N sont alignés, les points A, N, C sont alignés, et se rajoute ici une condition donnée sur la figure que les deux droites portées par MN et par BC sont parallèles. Cette situation, qui évidemment est évolutive, on est dans un logiciel de géométrie dynamique, on peut déplacer le point M comme on veut, déplacer le point B, le point C, etc. On peut donc avoir une multitude de configurations différentes. L'ensemble de ces configurations respecte toujours l'alignement de ces trois points, et le parallélisme des deux autres côtés. Et bien c'est cette situation-là qu'on appelle la situation de Thalès, et en quatrième, vous avez dû voir des propriétés numériques. Alors ces propriétés, on va essayer de les rappeler, on ne va pas les démontrer, mais on va, comme on dit, les conjecturer, c'est-à-dire essayer de les retrouver. Le triangle rouge, il a trois côtés, AM, AN et MN, et le logiciel me donne pour chacun les trois longueurs correspondantes, AM pour 2,86, AN 2,06 et MN 1,46. Et le grand triangle, sur ma figure ici, bleu, a donc trois côtés, AB, AC et BC, avec les trois valeurs correspondantes. Et on se rend bien compte que si je déplace à nouveau ici le segment MN, on voit que les longueurs du triangle MN, AMN bougent. Et inversement, si on déplace les points A, B et C, on voit que l'ensemble des données évolue. Il est bien dur, pour le moment, de déduire quoi que ce soit. On observe en permettant au tableur, intégré au géométriseur, de faire les trois calculs, AM sur AB, AN sur AC, MN sur BC, c'est-à-dire côté rouge sur côté bleu, côté rouge sur côté bleu, côté rouge sur côté bleu, et on observe des valeurs qui semblent égales, même si véritablement on n'a rien démontré. On peut observer quand même qu'en déplaçant le point M et le point N, on voit à droite sur mon tableur des valeurs qui évoluent. Selon les points que je déplace, certaines valeurs évoluent, d'autres non. En tout cas, au final, ce qu'il faut retenir, c'est que les trois rapports que l'on a calculés reste toujours égaux. Et au final, le théorème de Thalès, tel qu'il a été énoncé en quatrième, devait vous amener à cette égalité-ci, qui dit que les côtés des deux côtés, les côtés du triangle rose, sont proportionnels aux côtés du triangle bleu, si on est bien dans la situation de Thalès, avec les points alignés et les deux droites parallèles. Et dit autrement, on arrive à cette égalité que AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Voilà où vous en êtes arrêté en quatrième. On va déjà vérifier que vous maîtrisez à peu près cette première partie du théorème.